Hello! Et oui, aujourd'hui, ça va être une vidéo sur les westerns. Évidemment, je suppose que vous connaissez tous Le Bon, la Brute, le Truand, Pour une poignée de dollars, et aussi de plus. Et tous les autres, Pendeléo et les cours. Cours L'Homme sans nom, avec notre cher ami Clint Eastwood, qui est maintenant très âgé, donc il n'en fera sans doute plus de films. J'espère que c'est des films pour vous qui vraiment. En gros, j'espère que c'est un grand succès pour vous, parce que moi j'ai toujours adoré ces films. C'est des films assez anciens maintenant, pas complètement non plus. Mais moi mon préféré, ça restera toujours Le Bon, la Brute, le Truand. Il y avait Pendéléo et les cours, qui était un film assez moyen, à part le générique de fin, que j'ai toujours apprécié. Pour quelques dollars de plus, une poignée de dollars, c'était deux films magnifiques avec des acteurs superbes. Les duels, les musiques étaient magnifiques, donc je vous conseille vraiment de regarder ces films. Aujourd'hui, j'ai passé encore une journée à Disney de plus, comme vous le voyez. Hein. Aujourd'hui, c'est pas pour cinéma Star Wars ou aventure à Disney, Walking Dead, voilà. Et aujourd'hui, je vais vous convaincre de regarder ces films. Le Bon, la Brute et le Truand. Histoire avec un Touco, un jeune voleur qui pense qu'à voler et sa tête est mise à prix. Et c'est là que, Blondin et Sentenza seront intéressés par cette somme, 10 000 dollars. Pour retrouver aussi un trésor perdu dans un cimetière. Il faut trouver le nom de la tombe, et vu que Blondin, c'est l'un des plus malins du film, ils réussiront donc à trouver cette somme. Mais bon, il y aura des aventures sur la route, bien évidemment, comme nous pouvons savoir. Et puis ils affronteront des choses, des personnages, des endroits très dangereux, autant des Far West, quoi. Et puis nous avons aussi, comme je vous ai dit, Pour une poignée de dollars de plus, avec des satyres, des voleurs aussi, et des délinquants. Clint arrivera toujours dans une ville où il faudra qu'il aide des gens, ou alors dans des endroits où il faudra qu'il trouve des choses. Et c'est ça qui est super comme aventure. Les acteurs sont super, comme je l'ai dit. Et je vous conseille aussi de regarder deux films, c'est Doudur et Dingue et Ça va cogner. C'est des films... pas de western, mais avec des musiques de western. C'est un peu autant des westerns, mais c'est pas du tout ça. Philo Pello, il s'appelle, avec le petit singe Clyde, le petit orang-outan, avec sa grand-mère qui est super comique aussi, et plein de trucs dans le genre, ses amis, et puis voilà, ils rencontreront des gens et tout. C'est une très belle aventure aussi, avec de superbes musiques. L'Homme sans nom, qui est un très bon film aussi. En gros, je suis juste là pour essayer de vous convaincre de regarder ces films, si vous ne les avez pas encore vus. C'est assez ancien, mais c'est pas pour ça que c'est nul. Ce qui est bien, ce qui est ancien ou d'aujourd'hui, peu importe si ces personnages et l'univers sont attachants, comme je vous l'ai déjà dit, ça reste un superbe film. Et puis j'ai des amis aussi, qui, surtout en particulier j'ai pensé à Ben, avec qui je fais beaucoup de vidéos, qui conseille pas mal de films aussi, The Hard, JFK, comment ça s'appelle, Casino, et encore d'autres films, Rambo, Et puis j'ai plusieurs amis avec qui on fait des vidéos de cinéma. Si ça vous intéresse, c'est vraiment parfait. Donc il y a tous les liens dans la description de mes amis que je suis, ou alors que des personnes que j'admire vraiment par rapport à ce qu'ils font, le travail et tout. C'est pour ça que j'avais pensé aussi de faire comme une sorte de communauté, si c'est possible. Et c'est d'inviter plusieurs gens, ça pourrait être pas mal. Et puis envoyez-moi des commentaires de ce que vous pensez des vidéos, ceux de mes amis avec qui je partage tout ça. Comme je vous l'ai dit, pour moi le meilleur western, c'est le bon, la brute et le truand. Regardez ce western, il est magnifique. Il y a aussi un western, c'était Le Bon, la Brute et le Cinglé aussi, j'ai oublié de vous en parler. C'est avec des asiatiques. Ce film est très bien aussi, j'avais bien aimé. Mais ce qui compte aussi dans ces westerns, c'est comme je vous l'ai dit, les musiques. Les musiques sont magnifiques. C'est des musiques de western, autant des westerns, c'est tout ce que j'aime moi. Les musiques country, un peu rock'n'roll, un peu les musiques de films, des belles musiques et tout, des bons sons, moi c'est ce que j'aime moi. Des vraies musiques qui en vaut la peine. Le dernier film que Clint avait fait, c'était Impitoyable, je crois que c'était ça le titre. C'était un film, sérieux et triste. C'était pas un film vraiment comique, hein. Un petit peu peut-être avec quand il parlait avec ses amis, je me rappelle plus très bien. Et c'est surtout, il a perdu des amis, sa femme je crois. C'était le tout dernier western qu'il avait fait. Après il en avait fait plein d'autres, hein, je peux pas vous dire. Il avait fait Le Maître des Guerres aussi, qui était un film, bon pas de western, c'était un truc d'armée. Il avait fait des très bons films,
Voilà, bon, voilà. En gros, je vous conseille les films de Clint Eastwood, surtout c'est les meilleurs. Après, j'ai pas regardé les autres. Il y a aussi Terence Hill, Bud Spencer, qui est aussi des films assez pas mal en western. Après, il y en a aussi d'autres. Hein. Je pense que j'ai pas tout cité, mais j'ai. Voilà. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Et puis moi, je suis en cul, non ? À bientôt !Pour la prochaine vidéo.